Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, on a reçu un colis de la part d'IE, donc un colis bien évidemment en lien avec Anthem. Il est juste derrière moi, il est assez imposant. Et du coup, alors pour l'instant, bien évidemment, je ne l'ai pas ouvert, hein. À chaque fois j'attends d'être en vidéo pour ouvrir les colis quand ils sont assez importants comme celui-ci. Mais par contre, j'ai une première information sur ce colis que IE m'avait donné, c'est qu'il est fort possible qu'on puisse vous faire gagner des choses qui sont à l'intérieur, donc... Restez bien toute la vidéo et si jamais il y a des choses à faire gagner, je vous dirai comment les obtenir à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous propose qu'on commence à ouvrir ce colis ensemble. Alors voilà, dans un premier temps, je tenais à vous montrer un petit peu la boîte à quoi elle ressemble. Franchement, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, il est écrit Anthem BioWare et sur le côté ici, si je me penche un petit peu, vous voyez, il est écrit Stronger Together, donc en anglais bien évidemment. Et c'est une phrase donc en français que vous allez entendre régulièrement pendant le jeu. Vous comprendrez pourquoi quand vous réaliserez l'histoire. En tout cas, voilà, avec écrit Anthem à côté, BioWare IE. Franchement, elle est magnifique. Alors voilà, c'est parti, j'ai hâte de l'ouvrir. Alors, je suis tout seul pour cette vidéo. Je vais essayer de faire tout ça à une main. Il risque d'y avoir quelques petites coupures pour pas que ça vous gêne trop. Mais allez, c'est parti, on va ouvrir ce colis. Hop, voilà, donc c'est parti, j'ai enlevé le carton. Donc bon, il y avait un petit mot et je vais pas vous le montrer puisqu'il y avait des coordonnées dessus, etc. J'ai pas envie que la personne se fasse embêter. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et sinon, on tombe directement. Donc voilà, ici, alors c'est un espèce de plastique. Franchement, c'est assez épais. Limite, c'est quelque chose qui pourrait s'accrocher au mur. C'est vraiment très épais, hein. Donc Anthem, BioWare, IE, voilà, c'est vraiment joli, on va le poser à côté. Et en dessous, alors déjà, tout d'abord, bah, vous l'avez vu, on a une version Xbox One du jeu, voilà, hein, vous connaissez, IE, ils sont en partenariat avec Xbox depuis longtemps, avec le EA Access, etc. Voilà, moi je joue beaucoup à FIFA, je connais ça depuis quelques années. Et du coup, voilà, donc tout d'abord, on a un jeu Xbox One. Voilà, donc celui-ci, vous pouvez être sûr qu'il sera gagné, puisque bon, j'ai une Xbox One X, mais Anthem, je joue sur PC, du coup, celui-ci, c'est sûr et certain, vous le fera gagner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai comment. Voilà, donc ici, a priori, on a trois boîtes. Et là, on a une boîte. Donc déjà, vous savez quoi? On va ouvrir celle-là. Donc là, également, c'est une phrase du jeu. Donc c'est fort seul, mais en gros, fort seul, mais meilleur ensemble. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'est en français, ce qu'ils disent dans le jeu. Mais du coup, a priori, on a une première boîte ici. Alors, c'est parti. Hop, c'est tout garder ensemble. Strong Alone, c'est parti. Tac. Alors, déjà là, franchement, les boîtes sont de très bonne qualité. Il y a un petit revêtement dedans, un petit peu, là, c'est sympa. En velours, ça fait velours. Alors déjà, une pochette. On a une pochette ici, Anthem. C'est pas facile de tout faire à une main. Tac, une première pochette Anthem. On va l'ouvrir. Oula, franchement, ça a l'air d'être... Oh, c'est du lourd. C'est du lourd. Hop, je vous la pose là. Elle est magnifique. Donc, on a une manette de Xbox One Anthem. Personnalisée Anthem. Elle est vraiment jolie. Et a priori, c'est pas juste un autocollant, je sais pas trop. Ouais, ça a l'air d'être une matière qui a été collée dessus quand même, mais vraiment, elle est sublime, vous voyez, je vous la montre. Alors derrière, ok, elle est normale. Et voilà, elle est vraiment sublime. Alors celle-là, pour coup, franchement, elle est assez collector, puisque je pense pas qu'ils vont les vendre, je ne sais pas du tout. Voilà, je sais pas du tout, en vérité, je vous dis ça, mais j'ai pas eu l'information. En tout cas, elle est vraiment jolie, personnalisée en thème, celle-là, c'est sûr et certain. Par contre, je vais la garder, celle-là, puisque j'ai une Xbox One X, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais la garder, elle est vraiment sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Hop, donc là, on a quelque chose, je vais regarder ce que c'est, et après, on a un code Xbox One. Donc ça, par contre, je vais le garder de côté, je vous le ferai sans doute gagner, mais je ne vais pas le montrer à la caméra pour pas que certaines personnes prennent le code. Et là, du coup, alors apparemment, exclusivité Micromania, voilà, donc c'est quelque chose peut-être avec la précommande. Ouvrez le sachet, retirez soigneusement le film de protection plastique qui protège les traces, scannez le QR code. Ok, oh! Je sais pas si vous voyez bien, en fait, ça doit faire une sorte d'animation sur le téléphone portable. Je vous propose qu'on le fasse à la fin de cette vidéo. On va le faire également juste après. Je vais quand même continuer à ouvrir le reste. Donc voilà, franchement, la manette, elle est sublime. Oh, j'adore. Franchement, je kiffe. Alors, je vais la poser juste là. Tac, on va enlever les petites boîtes ici. Donc, avec le jeu, la manette qui va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Tac. Oula, les boîtes sont assez grosses. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Franchement, toutes les boîtes, regardez. Elles sont vraiment jolies. Tout est personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, ah. Encore une petite sacoche en thème. Vraiment magnifique. Ok, alors je crois que c'est encore une manette. C'est encore une manette Xbox One. Alors attendez, parce que c'est galère à une main. Ok, c'est la même manette Xbox One. Alors elle est vraiment magnifique. Vraiment très jolie. Alors voilà, pour l'instant, je pense que celle-là, vous savez, on est deux sur la chaîne. Il y a moi et il y a Lynn. Donc je pense sincèrement que Lynn, elle va la garder. Enfin, je ne sais pas si ça va être encore des manettes dans les autres. En tout cas, s'il n'y a que deux manettes
Je pense que Lynn va en garder une aussi. Elle est vraiment sublime. Et du coup, je pense, on va regarder un petit peu rapidement dans la pochette, mais je pense que c'est, voilà, c'est les mêmes choses. Donc il y a un code Xbox One Games. Et voilà, on a encore ça ici, un espèce d'hologramme. On va essayer de le faire après l'hologramme, ça a l'air d'être assez cool. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est... vous devez voir en train de galérer, vous devez rigoler, vous devez dire mais quel clampin. Eh, c'est pas facile, hein, je vous jure. Essayez de le faire un jour chez vous. Enfin bon, il va me dire faut déjà recevoir un colis comme ça. Mais... hop, qu'est-ce qu'on a? On a encore une manette. Alors attendez, parce que... oh, celle-ci a l'air d'être différente. Voilà, j'ai posé le téléphone 2 secondes, mais oh, j'ai galère. À une main, c'est très compliqué. Eh, cette manette-là, elle est magnifique. Alors je ne sais pas du tout si c'est une manette personnalisée en thème. Franchement, je suis très très peu l'actualité Xbox, tout simplement parce que je suis beaucoup plus sur PC maintenant. Et sur PlayStation 4, hein, toujours avec les copains de temps en temps. Du coup, voilà, c'est vrai que je ne suis pas trop l'actualité Xbox, alors je sais pas trop, mais en tout cas, celle-là, elle a un revêtement spécial derrière, un anti-grip là. C'est très agréable. Franchement, toucher le grill à la partie grise, elle est anti-grip. C'est vraiment pas mal. Elle est sublime. Alors, par contre, je pense que celle-ci, on va vous la faire gagner parce que ça sert à rien de garder autant de manettes Xbox One pour soi. Donc, autant vous faire participer un petit peu à ça. Hop, c'est aussi grâce à vous hein, qu'on a ces colis. Dedans, je pense que c'est la même chose. Du coup, ça également, on les fera gagner voilà, avec les manettes. On va faire ça comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est encore une manette pour le coup. Donc, quel colis? Quel colis? Incroyable. Alors, comment elle est celle-là? Je pense que c'est une manette, c'est la même chose. Hein. Ok, ça a l'air d'être... ah, c'est peut-être une manette blanche pour le coup. C'est vraiment pas facile. Alors, c'est la même manette que celle auparavant. Et franchement, elles sont magnifiques. J'adore le toucher derrière. Le toucher, là, le petit grip ici, c'est vraiment agréable. J'adore. On la tient bien en main. C'est vraiment sublime. Alors, je ne sais pas du tout quel est le nom de ces manettes, si c'est des manettes exclusives à Anthem. Par contre, c'est sûr et certain que celle-ci, on va vous les faire gagner, voilà. Certainement sur Twitter. Donc, il est fort possible qu'on vous fasse gagner ces deux manettes-là. Je vais vous dire juste après. Et également, donc avec le contenu des sacoches ici, avec le Xbox code, etc. Le petit truc pour le téléphone portable. Et il y aura également, donc, le jeu Xbox à gagner. Donc, en tout, hein, bien évidemment, ça fera 3 lots. Il y a une personne qui gagnera le jeu. Une personne la manette, une personne la manette. Voilà, ça fera 3 lots. Ça fera 3 heureux gagnants. Hop, c'est parti. Alors, du coup, ce que je vais faire... je vais vous mettre le lien du tweet, ça se passait sur Twitter. Il faudra tout simplement retweeter le tweet et follow le compte Zombie Factory et Lynn, vous n'aurez plus qu'à suivre le tweet. Je vous mets directement le lien du tweet pour pouvoir gagner ces différents objets en description de cette vidéo. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais installer tranquillement un petit truc comme ça pour essayer, parce que ça m'a l'air d'être assez stylé. Et je pense qu'on va finir la vidéo avec ça. Donc c'est parti, je coupe et le temps d'installer ça sur mon téléphone, on va essayer ça ensemble. Voilà, à la finale, le truc de chez Micromania, ça donne ça. Là, hop, vous flashez le QR code, en fait, ça vous envoie sur une vidéo sur YouTube. Du coup, il faut que je fasse comme ça, si j'ai bien compris, je la mette en... comme ça. Et là, du coup, il faudrait que je fasse ça. Ah, ouais, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est vraiment gadget, hein. C'est vraiment gadget, mais voilà, en gros... le colosse. Ah, c'est stylé. Bon, après, à chaque fois, il faut le remettre sur le téléphone, l'enlever, j'imagine. Il faut le garder à peu près propre pour que ça marche. Mais vraiment, une petite animation qui est assez stylée. L'intercepteur. Ouais, c'est stylé. Je connaissais pas du tout ce genre de truc. Hop. Et donc voilà, je le répète, concours sur Twitter, le lien du tweet en description de cette vidéo. Le premier gagnera donc le jeu sur Xbox One et les deuxième et troisième emporteront chacun une manette. On vous enverra ça avec la petite boîte en thème, je pense, et la petite trousse comme ça, puis avec ce petit goodies et également le code sur Xbox. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à vous également, puisque c'est également grâce à vous qui nous regardez, qui nous suivez, qu'on peut recevoir ce genre d'objet. Ça fait plaisir. Je sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent oui, ils ont de la chance, etc. Il faut savoir qu'on passe quand même pas mal d'heures à faire des vidéos. Ça prend du temps. Et je trouve que c'est une petite récompense qui fait plaisir. Voilà, nous, on fait pas du tout YouTube pour le côté argent. Et du coup, avoir ce genre de petits retours, de petites récompenses, et ben franchement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, petite info également avant de terminer, on a repris les lives sur Twitch. Donc voilà, en ce moment, tous les soirs, on fait du Anthem sur Twitch. Je vous mettrai également le lien de notre chaîne en description de cette vidéo si jamais vous voulez nous retrouver. On y sera d'ailleurs ce soir. Et voilà, venez nombreux. À très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss!